لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد عباد الله يطيب لي ويسرني أن ألتقي بكم في هذه المناسبة المباركة من هذا الشهر المبارك في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Je disais que ça me réjouit, hein, il me réjouit d'être parmi vous en ce moment, en cette occasion, espérant Allah qui la bénisse, en ce mois béni, pour parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un slogan. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une prétention. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un apanage ou une déclaration qu'on peut faire. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam nécessite un parcours, nécessite des conditions et nécessite aussi une réalité. Les frères qui parlent derrière la cloison de parler à voix basse. Vous êtes dans une mosquée et vous venez juste de terminer une prière et la mosquée doit vous apprendre à être discipliné, à être respectueux et à être de bonne moralité. Si seulement les gens assistent à des cours pour qu'ils apprennent comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils trouvent l'occasion de mettre en pratique ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كما أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست ادعاء وأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قولا يقوله الإنسان وإنما هي حقيقة ولكن هذه الحقيقة حتى يكون لها وجود لابد لها من أسباب لابد لها من أسباب. Je disais pour que cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit réel, encore faut-il qu'il y ait quelques conditions. Comment on peut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam si on ne le connaît pas? Parce que vouloir aimer c'est une chose, mais aimer c'est autre chose. Vouloir aimer c'est la moindre des choses, parce qu'Allah nous invite à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah nous parle dans le Coran de ceux qui ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son amour subhanahu wa ta'ala pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قلتوا أن إرادة أو بغية محبة النبي صلى الله عليه وسلم شيء ومحبته شيء آخر فيستطيع الإنسان أن يريد محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يستطيع ذلك لأن الاستطاعة لابد أن يجتمع فيها العلم والإرادة. Je disais, pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait volonté et qu'il y ait connaissance. Pourquoi aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il faut le connaître pour l'aimer. Il faut le connaître pour l'aimer. Et
Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Donc Allah nous en parle dans le Coran, il nous dit que vous avez en le prophète un bel exemple pour ceux qui désirent, qui aspirent à la rencontre d'Allah et aspire à une issue heureuse là dans les fins dernières auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous invite à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète nous invite à parler de lui. قلت أن الله تعالى يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويأمرنا أن نحدث عنه فيقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية. Je disais que le prophète صلى الله عليه وسلم nous invite à parler de lui et il dit transmettez de moi, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, hein, transmettez de moi ne serait-ce qu'un signe de l'islam, parlez de moi. Mais comment on peut parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans bien le connaître? Et c'est pour cette raison qu'on va passer un moment ensemble pour nous-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes densifier notre relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, corriger quelques-unes des fausses informations que nous avons sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une part, et d'autre part, avoir, réunir quelques éléments pour savoir transmettre cette image du prophète sallallahu alayhi wa sallam et savoir parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قلت إذن أن المناسبة لنا أولا وقبل كل شيء فنحن أحوج ما نقول أن تكون علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوية ومتينة. إذن نتعرف أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقترب منه أو نزداد منه قربا ونقرب صورته صلى الله عليه وسلم منا ومن أذهاننا. هذه نقطة. وثانيا نصحح بعض المفاهيم. والله لربما أن المسلمين أكثر أو أحوج أن يصححوا نظرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وصورة النبي صلى الله عليه وسلم في أذهانهم حتى يصححوها لغيرهم. Je disais que je ne serais pas exagérant et je n'exagérerai certainement pas si je dis et déclare que peut-être et sans doute même que les musulmans ont plus besoin de corriger l'image qu'ils ont du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les non-musulmans. Parce que les musulmans, en corrigeant cette image, ils auront une meilleure image, plus authentique, plus juste, et ils seront plus à même de transmettre et de partager cette image avec les non-musulmans. Si, je peux vous en citer des exemples, hein, parmi même les imams, parmi même les prédicateurs, parmi même ceux qui parlent de l'islam, et parmi ceux qui prêchent l'islam, ont énormément besoin de revisiter la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mieux la comprendre et surtout aussi de façon plus précise et plus authentique. هذا السبب الثاني. ثم السبب الثالث هو كذلك أن يقوم الإنسان بدوره من تبليغ الرسالة ومن إيصال الصورة لغير المسلمين. La troisième raison, c'est aussi d'amasser les outils, les informations, les connaissances pour les transmettre et les partager. Et aujourd'hui plus que jamais, les musulmans, ils ont besoin. C'est même plus qu'un besoin, ils ont le devoir et l'obligation d'avoir un
discours cohérent, d'avoir un discours authentique, d'avoir un discours qui porte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قلت ان المسلمين الان ليس فقط في حاجه وفي امس الحاجه بل واجبهم بل واجب عليهم ان تجتمع لديهم يعني خطاب واضح متوازن ناصع المعالم ويكون اصيل طبعا اصيل وقوي في ايصال الفكره للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا pourquoi je dis cela pourquoi est-il aujourd'hui encore plus que jamais ce devoir là nous incombe parce que si on regarde l'histoire depuis que le monde connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a suivi plusieurs cycles. À un moment, l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam était montante. Les gens étaient émerveillés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient en quelque sorte convaincus par la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même parmi les non-musulmans. Même parmi les non-musulmans étaient impressionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, cette image, pendant un temps, elle s'est dégradée. Et si je prends juste l'exemple de l'Occident, pendant tout le Moyen-Âge, on ne disait que du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, depuis la Renaissance, jusqu'à l'époque moderne, on ne disait que du bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à des rares exceptions. قلت أن صورة النبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ لحد التاريخ يعني في التاريخ أوروبا مثلا والغرب بصفة عامة لعدة قرون كانت صورة النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الذي في العهود في القرون الوسطى حينما كانت الكنيسة تسيطر على عقول الناس كانت صورة النبي صلى الله عليه وسلم في تدهور كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه متعصب وأنه شديد السلوك وأنه رجل قتال ورجل حرب إلى آخره ورجل تعصب وحتى جاء العصر التنوير حين يعني العقول الناس انفتحت وتحررت من سيطرة الكنيسة عليها فاكتشفوا الصورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صورة رجل حوار رجل يعني علاقات وتواصل مع الآخرين وتسامح وتعاليم النظافة العلم الاحترام التعاون إلى آخره اكتشفوا كل هذا فأعجبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم Je disais pendant toute l'époque, ce qu'on appelle l'époque des Lumières, toute l'époque moderne, depuis la Renaissance, depuis le 18e siècle, comptez 19e et 20e siècle, pendant 3 siècles, comme dit cela Jean Prieur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été chanté dans tout l'Occident, il a été loué dans tout l'Occident. C'est Jean Prieur qui le dit dans son livre « Mohammed, prophète d'Orient et d'Occident ». J'en parle et je cite sa déclaration dans le livre sur le Chalif qui parle des témoignages sur les non-musulmans. Sinon, il n'y a pas une grande personnalité, que ce soit allemande comme Goethe, que ce soit russe comme Tolstoï, ou que ce soit française comme Lamartine, ou que ce soit anglaise comme Hart et Montgomery Watt et d'autres, et française encore comme Victor Hugo. Victor Hugo, il a fait un poème de 100 vers sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 100 vers. Et beaucoup de nos enfants, beaucoup des jeunes ne le savent pas. Ils ne savent pas que Victor Hugo, dont on trouve le nom dans toutes les villes de France, que ce soit des noms de rue, que ce soit des noms d'école, que ce soit des noms de collège, cet homme-là, en 100 ans, il a réalisé un poème
de son verre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il faisait les louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قلت أن الكاتب والشاعر الشهير فيكتور هوغو الذي هو من أشهر الناس في فرنسا قد كتب شعرا في النبي صلى الله عليه وسلم مدحا طبعا مدحا يمدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يزيد على 100 يعني سطر كله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ce sont des choses qu'aujourd'hui on occulte ce sont des choses qu'aujourd'hui on cache qui donc montre-moi un seul livre dans tout le cycle de l'enseignement depuis le primaire jusqu'au lycée qui rappelle aux élèves, qui rappelle aux écoliers, aux collégiens, aux lycéens que Victor Hugo a écrit un poème sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun. Hein? Aucun. Donc, encore une raison pour que nous, les musulmans, nous mettons en lumière et nous mettons en avant tous ces témoignages positifs en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta من يسمى بفولتير هذا الذي يسمى فولتير الذي هو رجل يعني معاند ومحارب ومناوئ للديانات قال كلاما قبيحا في النبي صلى الله عليه وسلم في 1724 ولكن في الأخير في 1774 حتى 1776 لم يقل إلا كلاما طيبا صحيحا قويا حسنا جيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Je disais même Voltaire, qui est connu pour ses positions hostiles à religion, hostiles aux foi, aux confessions, il avait dit et écrit des choses qui attaquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de sa carrière, notamment en 1724, mais avec le temps, il a évolué, il a fini par écrire que des choses positives sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils attaquaient même ceux qui osaient attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils leur répondaient, ils leur disaient, vous ne dites que des bêtises sur le prophète. Lui, il le dit encore avec une expression beaucoup plus crue que cela, hein, en les traitant, pas de bêtisier, mais les traite d'un qualificatif encore plus dur que cela. Il leur dit, sa religion, elle est une religion de tolérance, et tout ce qu'elle préconise est bien. Donc, 18e, 19e, 20e siècle. Malheureusement, arrive le 21e siècle. Arrive le 21e siècle, et plus exactement 2005, le monde entier, je dis bien le monde entier, découvre encore une fois quelque chose qui a ressuscité, hein, quelque chose qui a été revivifié et qu'on avait oublié depuis 3 siècles. L'attaque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قلت وفي بداية القرن الواحد والعشرين وبالذات في 2005 يعني عندها 11 سنة فقط العالم بإسره اكتشف هذا الكلام القبيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وكأنه نفث فيه وفي رماده حتى اشتعل وكان حقا والأمر كذلك للمسلمين أن يدافعوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. Et puisqu'il en est ainsi, et puisqu'il en a été ainsi, à savoir, on a osé revivifier, on a osé ressusciter ces attaques et ces calomnies moyenâgeuses, hein, qui remontent au Moyen Âge. Il était donc un devoir pour les musulmans de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était un devoir pour les musulmans de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah, il en parle dans le Coran. Parmi les réactions qui me font sourire, en même temps, ils me mettent dans un état de tristesse. Je suis triste quand je les entends de la bouche des musulmans. Et qu'ils me disent, hélas,
pourquoi tu parles du prophète sallam, tu défends, tu réponds à ceux qui l'attaquent. Laisse-les. Le prophète sallam, ça, rien ne peut entacher son image, rien ne peut toucher à sa réputation, rien ne peut diminuer et baisser de sa grandeur. Laisse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas laisser. Pourquoi on ne peut pas laisser? Parce que Allah, il n'a pas laissé. Allah, il n'a pas laissé. Surat al-Duha. C'est quoi Surat al-Duha? On lit et on récite Surat al-Duha. Surat al-Duha, c'est une défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى كا 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 سكين كا هو مغلطين ضمير يعود على من؟ يعود على النبي صلى الله عليه وسلم Il y a encore, si on cherche à connaître les circonstances ou bien les causes de la révélation de cette sourate, on est étonné. Une femme, qui était la voisine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu, ou bien ton Dieu, est en colère contre toi. Ou bien ton Dieu, il t'a quitté. Qalak, wadda'ak. Deux mots. Elle lui a dit, ton Dieu, soit il est en colère contre toi, soit il t'a abandonné. C'est une attaque. Elle remet en cause le lien et la relation qu'il y a entre le prophète et son Dieu. À savoir que Dieu est en colère contre le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien que carrément Dieu a abandonné le prophète. Qalat ma ara shaytanaka. Lam taqul hatta rabbaka. Qad wadda'aka aw qad qalak. Qad wadda'aka aw qad qalak. Allah n'a pas laissé passer. Allah n'a pas laissé passer cette attaque. Et pourtant, c'est une attaque qui relève plus du commérage que de l'attaque fondée, etc., qui met en cause quoi que ce soit dans la vie du prophète Sassou ou dans son comportement. Mais Allah, il ne l'a pas laissé. Allah, il a répondu que par l'aurore, et la nuit quand elle se répand dans l'étendue, que ton Dieu n'est ni en colère contre toi, ni qu'il t'a abandonné. Donc Allah il répond à cette attaque. Surat al-Duha. Elle est restée dans le Coran, nous la récitons jusqu'à la fin des temps. Suratou, la plus courte sourate du Coran. Suratou, c'est quelle la sourate la plus courte? Al-Kawthar. Ah, la plus courte. Inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Ah, trois versets. Ah, dans cette sourate. Courte, la plus courte du Coran. C'est quoi cette sourate? C'est une défense du prophète. Le prophète, il a été attaqué dans quoi? Dans quelque chose qui ne relève même pas de son pouvoir. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas de garçon. Tous les garçons que le prophète a eu, les trois, ils sont tous morts en bas âge. Certains sont morts en étant nourrissons de quelques mois, et celui qui a vécu le plus, il n'a pas vécu plus que 2 ans. Et comme le prophète n'avait pas de garçon, certains disaient que le prophète il allait mourir sans descendance, sans progéniture. Al-Abtar, c'est celui qui n'a pas de descendance. Ah, donc il disait, comme la descendance, elle se transmet par la filiation des garçons, par les garçons, par le biais des garçons, ils ont dit, Mohammed, il va mourir, il n'aura plus d'héritier. Il n'y a plus personne qui va hériter son nom. Et aujourd'hui, alhamdulillah, les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont la religion se compte par une centaine de millions, puisqu'ils sont 1,5 milliard, et ceux qui portent le nom Mohammed, ils sont les plus nombreux. En Angleterre, par exemple, pendant 4 ans, 2005, 2006, 2007, jusqu'en 2008,
le nom le plus donné dans l'état civil, c'était Mohammed. Et ça a coïncidé aussi avec les Jeux Olympiques de Londres 2008, où le, un champion d'origine pakistanaise, aussi musulman, c'est un athlète aussi, il a ramené plusieurs médailles d'or à l'Angleterre. Donc le nom de Mohammed, il a explosé, il a même dépassé celui habituellement le plus donné, qui était Harry, le prince d'Angleterre. Donc c'est là un signe de la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que son nom se répand avec autant de force et avec un nombre aussi impressionnant. Je disais surat al-Kawthar, et je peux multiplier surat Qaf ou Al-Qur'an al-Majid. Allah subhanahu wa ta'ala défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une fermeté, avec une force, et je dirais même parfois avec une certaine violence. Violence juste, mais forte. À vous de voir. Qaf, Al-Qur'an al-Majid, bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum fa qala al-kafiruna hadha shay'un ajib. Arrivé donc au verset suivant. Il dit wala tuti', Allah Ta'ala dit wala tuti' kull halaf mahin hamaz masha' binamim manna' min khayr mu'tad athim 'utul 8 qualificatif 'utul. Qui est connu, Utba, qui a traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sha'ir ou majnoun. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Il a traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam de fou. Il a traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam de fou, ce quelqu'un-là. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجنون. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون Ce verset-là, Allah al-Azim, je ne l'ai compris qu'après 10 ans. 10 ans. 10 ans de pratique de ce verset. Pas de lecture. C'est en le pratiquant que je l'ai compris davantage qu'en lisant son ma'na. Et surtout le contexte dans lequel il est situé, ce verset. J'y reviendrai. Donc après ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de celui qu'il a traité de majnoun, qu'est-ce qu'il a dit de lui, Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit de lui 9 qualificatifs. Au lui, il a traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un seul qualificatif, Allah il l'a traité de 8 qualificatifs, plus le 9e, si vous voulez, c'est le feu d'artifice. C'est comme un feu d'artifice, le dernier, il est toujours le plus grand et c'est l'apothéose, c'est le plus violent. Il dit voilà tout d'un kull halaf mahin hamaz masha' binamin manna' min khayr mu'tad athim 'utul ba'da dhalika, c'est-à-dire au-delà de tout cela, zanim, c'est-à-dire que il est sans descendance. Pardon, il est plutôt sans ascendance connue. On ne sait même pas qui est son père. Voilà. Et même dans l'expression la plus vulgaire, bâtard. Allah il me dit bâtard, espèce de bâtard. Oui, c'est un bâtard. Il ose traiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam de fou. Mais il l'était réellement, c'est pas une insulte. Il l'était réellement. Donc attention. On ne touche pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne touche pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans conséquences ou bien sans en subir les conséquences.
Bien entendu, les conséquences ici, ce sont des conséquences proportionnelles. Ce n'est pas de tuer, hein, comme l'ont fait les frères Kouachi. J'en parle d'ailleurs ici. Hein, ce n'était pas la bonne réponse. Ce n'était pas en tuant les journalistes de Charlie Hebdo. En revanche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, on leur a donné plus de force qu'ils n'en avaient jamais rêvé. Ils n'ont jamais rêvé d'avoir la force. Je parle du journal, quand on parle à des personnes, hein, qu'une fois qu'ils ont été attaqués par ces deux malades. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ici et ailleurs, et parfois, oui, c'est vrai, c'est réel, il dit, laisse tomber, laisse couler, ne prête pas attention, ne te retourne même pas, ne t'attarde même pas. Oui, ça aussi c'est une attitude. Mais ce n'est pas une attitude de principe. Ce n'est pas une attitude permanente. D'accord? Donc, par moment, et dans certaines circonstances, il faut prendre son temps, il faut retrousser les manches et se donner toute la peine du monde et se donner toute la volonté, tout l'effort, toute la force pour répondre à tous les points sur lesquels est attaqué le prophète. Parfois, tu ignores. Pourquoi? Parce que si à chaque fois tu t'attardes sur n'importe qui dit n'importe quoi, tu passes ton temps à répondre. Mais quand c'est une crise planétaire, quand c'est une crise mondiale, quand derrière ceux qui attaquent, il y a le soutien des États, il y a des soutiens des gouvernements, il y a des soutiens des médias, il y a des soutiens des institutions. Là, là, dire laisse tomber, ou laisse passer, ou laisse couler, etc. Non, c'est irraisonnable. C'est irraisonnable. Il faut faire face. Et alhamdoulilah, les musulmans de par le monde, beaucoup d'associations sont nées à partir de là, avec des budgets de plusieurs millions de dollars, au Koweït, en Arabie Saoudite, dans tous les pays du monde et en France notamment aussi, les musulmans se sont mobilisés et personnellement j'ai écrit ce livre en 2006, il est sorti en 2007 pour répondre à ces caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ces attaques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le but ce n'est pas de répondre à la caricature. C'est de saisir les points qui sont utilisés comme prétexte pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et corriger ce que est ou ce que était réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ces points-là. Et donc c'est pour cette raison qu'on a besoin de revisiter ce que le Coran et comment le Coran parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous, hein, pour notre cœur, pour notre esprit, pour nos connaissances et aussi pour avoir une méthode. Pour avoir une méthode. Le Coran n'a jamais négligé la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs sourates, dans surat al-Nahl, on trouve cela, dans surat al-Baqara, on trouve la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les courtes sourates, on trouve la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout en restant, je dirais, dans le cadre des principes de l'islam, être juste et être convaincant. Parfois on répond par des mots, parfois on répond par des phrases, parfois on répond par des pages tout entières. Hein, on répond par des pages tout entières. Je reviens pour passer à un deuxième point, à ce fameux verset, Waddu Law Tudhin, verset 9 de Surat Qaf. Ce verset 9, Allah Ta'ala dit وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Il vient ce verset au milieu de l'attaque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la réponse à l'attaque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset où Allah il dit ils auraient tant espéré, ils ont tant espéré que tu transiges afin que eux-mêmes ils transigent. Et ils ont tant espéré que tu fasses des concessions pour que eux-mêmes fassent des concessions. C'est comme ça que dit le verset. Il n'y a pas une autre explication, il n'y a pas une autre compréhension du verset. Waddu law tudhinu al-mudahana, c'est la
transigence. Et quel est le contraire de la transigence? C'est l'intransigeance. C'est-à-dire rester ferme. Rester ferme sur les principes. Ah, c'est l'intransigeance. Donc ils ont tant espéré de toi que tu transiges. Et on transige comment? En faisant des concessions. En faisant des concessions. C'est-à-dire en laissant certaines choses passer ou laisser faire, je dirais, sacrifier certains principes ou certains aspects. Allah il lui dit, ils ont tant espéré que tu transiges afin que eux-mêmes ils transigent. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'attaque, quel est le but de l'attaque? Quand on attaque une personne, pourquoi on l'attaque? On l'attaque soit pour salir son image, on l'attaque pour noircir son image, on l'attaque pour l'atteindre mentalement et psychologiquement, c'est-à-dire vraiment l'affecter, le toucher dans son affect, le toucher dans son affect. Et on peut même l'attaquer pour carrément le diaboliser et son image soit complètement expurgée et sortie du cadre du raisonnable. Donc, mais et aussi, on attaque pour dire à l'autre, attention, soit tu fais des concessions, soit tu transiges un petit peu, sinon on va t'attaquer. Si tu restes comme ça ferme sur tes principes, on va continuer à t'attaquer pour le faiblir. Et le faiblir, il a porté à faire des concessions. Et donc Allah Ta'ala, il le dit dans son surat. Donc aujourd'hui, les attaques sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le but de ces attaques-là? Le prophète, il est mort depuis 15 siècles. Ce n'est pas de le toucher lui-même. Ce n'est pas de toucher ce que le prophète a fait. C'est de toucher son image et de toucher les musulmans. Faiblir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faiblir la grandeur et l'image grandiose qu'ils ont du prophète Hassan en la touchant un tout petit peu. Parce que tu prends une page blanche, tu mets une tache par-ci, une petite tache par-là, une autre tache par-là, elle devient une page entachée. Elle perd de toute sa splendeur, elle perd de toute sa blancheur. C'est ce qui est recherché à travers l'attaque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cette raison que nous devions être vigilants, et nous l'avons été, alhamdulillah, et nous le sommes toujours. Être vigilant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut toujours défendre son image. Et pour défendre son image, il faut revenir au Coran et comprendre comment le Coran parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, dans un autre aspect, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sources qui nous parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont nombreuses. Allez, comptez avec moi. La première et principale source de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est les livres du hadith. Bien entendu, les livres du hadith sont la source la plus riche et la plus développée pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce soit les Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, les Sunan, le Tirmidhi, le Nasa'i, le Ibn Majah, le Bayhaqi, que ce soit le Masani, le Imam Ahmad, que ce soit le Muwatta, le Imam Malik, que ce soit le Ma'ajim, Mu'ajjam al-Tabarani, al-Sarir, al-Kabir, al-Awsat, tous ces livres-là sont d'une richesse importante sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première source. La deuxième source, c'est quoi? Ce sont les livres de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le Sira d'Ibn Hisham, la plus ancienne, les livres de Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on écrit encore des livres de Sira jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais épuisé de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les ans, en français, et encore plus en arabe, en ourdou, dans toutes les langues des pays musulmans, il y a des nouveaux livres, des nouvelles biographies qui sortent sur le monde de l'édition pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La
La troisième source qui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle le livre de Shama'il. Shama'il comme le Shama'il de l'imam al-Tirmidhi, Abu Isa al-Tirmidhi. Shama'il, ce sont des livres qui ne parlent que du prophète en tant que personne et parlent de sa description physique, de son comportement dans les choses de tous les jours et de sa façon de manger, de dormir, de marcher, de s'asseoir et de ce qu'il mangeait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça tourne autour de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les livres de Shama'il. On l'appelle les livres de Shama'il. Ensuite, vous avez les livres qui parlent de Al-Marazi wa-Siyam. Al-Marazi wa-Siyam, elle parle des épopées, des batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains auteurs, ils leur consacrent des livres entiers réservés à cela. Donc là, ça fait déjà quatre sources. La cinquième source, c'est les livres d'histoire. Les livres de l'histoire, d'une façon générale, réservent au prophète sallallahu alayhi wa sallam à des chapitres entiers et des parties entières pour parler de lui, comme l'a fait Lamartine quand il a écrit l'histoire de la Turquie. Il a réservé tout un livre pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi les livres d'histoire de la Mecque et Médine. Vous avez des livres qui sont consacrés uniquement à l'histoire de la Mecque, ou bien des livres qui sont consacrés entièrement à l'histoire de Médine. Et dans ces livres-là, puisque le prophète il a marqué la Mecque et il a marqué Médine, il y a des parties et des chapitres entiers qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, vous avez les livres de la poésie, les livres de la poésie et qui parlent de ces poèmes-là dans lesquels la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam est évoquée. Et vous avez, je ne l'ai pas cité, je l'ai dit en dernier, vous avez le Coran, bien entendu, qui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui parle même du sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui parle de certains chapitres du sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais aucun livre de sirah ne parle de cela. Pourquoi? Parce qu'il nous parle de ce qui se passe dans l'intérieur des pensées. Il nous parle de ce qui se passe à l'intérieur des cœurs. Il parle de ce qui se passe dans le fort intérieur. Vous lisez surat al-Ahzab. Vous lisez surat al-Ahzab, comment Allah Ta'ala parle des sentiments des musulmans quand ils étaient à Médine assiégés par les koufars. On ne trouve rien qui peut décrire cela. يعني نجد أن الله تعالى لما يحدثنا عن الأحزاب عن نفسية المهاجرين والأنصار عن نفسية المؤمنين المسلمين المتقين عن نفسية المنافقين عن نفسية المرجفين يتكلم بأمر عجيب. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Et les versets qui suivent. Donc si on lit comment Allah nous décrit les sentiments, comment il nous décrit, c'est-à-dire ce que le ressentiment des gens à midi encerclés, c'est d'une description précise, profonde, qui va au-delà des apparences et qui sonde le fort intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut connaître que Allah. Et Allah, il nous en parle. Et ça nous permet de mieux comprendre la panique, qui nous peut comprendre la peur, qui nous comprendre le drame et la situation dramatique que les Sahaba et les gens, les musulmans de Médine avaient vécu, alors que Médine était encerclée par 10 000 hommes qui voulaient les anéantir. Voilà comment Allah nous en parle. Ô vous qui croyez, rappelez-vous les
bienfaits d'Allah sur vous, quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant de ce que vous faites. Quand ils vous verrent d'en haut et d'en bas, quand ils sont venus vers vous d'en haut et d'en bas, de toutes parts en quelque sorte, et que les regards étaient troublés, que les regards étaient hagards, troublés, et les cœurs remontés aux gorges. On dirait que les cœurs se sont arrachés de leur emplacement dans la poitrine et qu'ils sont montés jusqu'à la gorge. Tellement il y avait peur, tellement qu'il y avait panique, ou quelque sorte, drame, c'était dramatique. Wallah, il nous dit, et les cœurs sont remontés aux gorges. Et vous faisiez sur Allah toutes sortes de conjectures. Les hypocrites commençaient à conjecturer. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Et donc ça, c'est le verset 11. Après, il nous décrit les hypocrites et ceux qui ont la maladie du doute dans leur cœur, disaient « Allah et son messager ne nous ont promis que de fausses promesses ». Verset 13, verset 14, verset 15 et les suivants, Allah, il en parle. Et à la fin, il dit « Et quand les croyants virent les coalisés et dirent « Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis », et Allah et son messager disaient la vérité, et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Et Allah Ta'ala dit « Il vous a récompensé, que Allah Ta'ala il les a rendus bredouilles ». Et il dit Allah Ta'ala, afin qu'Allah récompense, et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles. Ils sont rentrés chez eux bredouilles, sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Donc Allah rappelle cette faveur et aussi cette grâce qu'il ne les a pas livrés à la bataille. Il ne les a pas laissés livrer bataille, mais il leur a épargné bataille puisqu'il n'y a pas eu de bataille. Et le siège de Médine a duré un mois. Et après un mois, il y a un fort ouragan et un fort violent qui a secoué Médine. Les Mécois, ils sont repartis. Donc, cette description nous permet encore d'être plus proches, comme si on était présent. Et dans son Ali Imran, sur Uhud, et ce qui s'est passé à Uhud. وإن تنازعتم في الأمر وأراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ودي الله gens qui sont descendus de la montagne de Médine où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a placés. Et Ibn Mas'ud lui-même dit, je ne savais pas que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en avait parmi eux qui avaient un petit penchant pour les biens de ce monde jusqu'à la révélation de ce verset. Surat An-Nur, la lumière, sera très importante, nous parle de l'épreuve qu'a connue le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa famille quand sa épouse Aïcha elle a été calomniée. Donc tout cela nous donne des descriptions, nous donne des règles, nous donne des principes, nous donne une conduite à avoir quant à la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant aux règles, les enseignements qu'on tire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi quant à la façon par laquelle on défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour la fin, je dirais un mot rapidement de ce livre. Ce livre-là, mon souhait, c'est que beaucoup de musulmans l'aient dans les mains pour eux-mêmes, pour qu'ils sachent comment parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui dans notre société moderne, et aussi pour le partager. Un non-musulman, tu lui donnes le Coran, il ne va pas comprendre grand-chose dans le Coran. Les musulmans eux-mêmes, ils ont du mal à comprendre le Coran, puisque les sujets du Coran, ils sont éparpillés. Ils ne sont pas tous rassemblés dans un seul sourate, dans un seul chapitre. Le musulman lui-même, s'il ne consulte pas les livres d'exégèse, il a du mal à comprendre le Coran.
Mais pour certains qui sont de bonne foi, ils peuvent lire et trouver des étincelles éclairantes dans le Coran. Mais tu donnes un livre qui répond aux préjugés, qui répond aux interrogations, parce qu'il y a les préjugés, il y a les interrogations. Les préjugés sont pires que les interrogations, parce qu'une interrogation, elle peut être, je dirais, neutre, de bonne foi. Mais un préjugé, il y a déjà une idée qui s'est faite dans la tête de la personne, et souvent on utilise le préjugé, plus préjugé négatif que positif. Normalement, le préjugé, il s'applique aux deux, positif et négatif. Et souvent, on utilise le préjugé uniquement pour le négatif. Donc les gens ont des idées préconçues. Jour et nuit. Ah, la dernière. La dernière, qui s'est passée, l'attentat qui s'est passé à Istanbul, malheureusement. Ah, donc il y a un des témoins, il dit, il marchait comme le prophète. Je ne sais pas de quel prophète, il n'a pas trop spécifié. Il dit que un des assassins, des trois terroristes, il dit, voilà, quand j'ai lu ça rapporté par AFP, les agences de presse, etc., il dit que l'assassin marchait comme le prophète. Mais je ne sais pas s'il l'a vu. C'est pour ça que j'ai posé dans ma page Facebook, j'ai dit, alors, si vous ne savez pas comment marchait le prophète. Apparemment, il y a un témoin qui le sait, celui qui a été présent à l'aéroport d'Istanbul. Donc, il disait qu'il marchait comme le prophète. Qu'est-ce qu'il a à voir, le prophète, avec cela? Il n'a rien à voir avec lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous apprend que, dans un hadith, que celui qui porte atteinte à la vie de quelqu'un avec qui il y a avec un pacte de paix, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas le parfum du paradis, bien que le parfum du paradis se sent à une marche de 40 années. Quelqu'un qui est illégal à l'aéroport, il voyage. Musulman, pas musulman, c'est pas l'affaire de qui que ce soit, que de ces gens-là. Peu importe sa religion. Et l'autre, il vient, il est rafale, il les tue. Et il dit qu'il fait le djihad, ou il dit qu'il fait le combat, ou il défend l'islam. Ça, c'est du terrorisme. Ça, c'est de l'assassinat. Ça, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Parce que l'autre, il a juste un bagage, il est là, mais l'autre, il est armé d'une mitraillette. Ça, c'est un combat, ça. Ça, c'est un combat. C'est comme ça qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour les gens qui ont assisté tout à l'heure avec nous à l'exposition, ils ont vu. À Badr, les musulmans, ils étaient 314. Ils n'avaient que trois chevaux. Et les Quraysh, ils avaient 300 chevaux. Les musulmans à Badr, ils n'avaient zéro bouclier. Les Quraysh, ils avaient 700 boucliers ou 600 boucliers. Et les musulmans, ils avaient 70 chameaux. Les Quraysh, ils avaient 600 chameaux. Ça, c'est à Badr. À Al-Ahzab, les musulmans, ils étaient 3000. Et les Kuffar, les alliés, ils étaient 10 000. En plus, ils les ont pris par surprise, ils ont encerclé Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais autorisé, et il ne saurait aucunement dans l'islam que des assassinats de ce genre soient autorisés au nom de l'islam. Je vais vous rajouter encore une autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار. ولو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار. Il dit, si tous les habitants du ciel, et les habitants du ciel se comptent par milliards, c'est pas des millions, des centaines de millions, tous les anges qui peuplent le ciel. Et dit, si les habitants du ciel et tous les habitants de la terre étaient tous coupables, c'est-à-dire qu'ils étaient tous impliqués dans l'atteinte à la vie d'un seul musulman, Allah va les punir tous.
en les précipitant dans l'enfer. Des milliards. Une vie est payée par des milliards de coupables. Et que dire que ces gens-là, c'est le dixième, je crois, le sixième attentat en Turquie qui est fait par soit Daesh, soit le PKK. Hein? Pour eux, c'est encore plus, ils se réjouissent encore plus de tuer le musulman qu'ils traitent de renégat, qu'ils traitent d'apostat, que de tuer un non-musulman. Donc il faut faire très attention, ces notions-là, elles n'ont rien à voir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tué un seul mouchrik. Il a tué un seul mouchrik de ses mains dans le combat. Et ce mouchrik-là, depuis plus de 18 ans avant, il le menaçait à la Mecque déjà. Avant même l'Hijra, à la Mecque, cet homme-là, il avait un cheval, et ce cheval-là, c'est un bon cheval, il vient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait au Mohammed, il dit, tu vois ce cheval-là, viendra un jour, je te tuerai, je serai sur ce cheval-là et je te tuerai. Il faisait ça à chaque fois, c'est-à-dire pendant plusieurs fois, il a fait ça à la Mecque. Et le prophète lui a dit, par Allah, ce sera plutôt moi qui te tuera, c'est pas toi qui vas me tuer, c'est moi qui te tuerai, et c'était le cas dans une razwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Uhud, hein, où l'oncle du professeur Sam a été tué, où les compagnons du professeur Sam, nombreux ont été tués aussi de 70. Cet homme-là, il est venu, profitant que le prophète était par terre, il voulait tuer tout le professeur Sam. Le professeur Sam, il a pris une lance, il l'a contré et il est mort, cet homme-là. Et sinon, le professeur Sam n'a jamais préconisé, il n'a jamais encouragé tous ces actes-là de lâche. Des kamikazes qui se fait exploser au milieu d'une foule de civils dans un aéroport en Belgique ou dans une salle de spectacle à Paris ou dans un train à Madrid ou ailleurs. Et ça aussi, c'est notre devoir de le montrer. Et nous l'avons montré. Donc quand vous entendez ces hommes politiques là, dont certains sont des guignols, des vrais guignols, nous dire que les imams, les prédicateurs, pourquoi ils ne dénoncent pas? Ils ne dénoncent pas, on n'a pas attendu leur, je dirais, injonction pour dénoncer cela. C'est déjà dénoncé dans le Coran, c'est déjà dénoncé dans les hadiths, et moi ça fait déjà 10 ans maintenant plus que j'ai réservé tout un chapitre dans le livre pour dénoncer cela en des mots qu'on ne peut plus clair. Donc, défendre notre image, l'image de notre religion, l'image de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de notre devoir. Nous avons la méthode, nous avons les outils, et nous avons les informations pleines dans les livres, comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment était sa religion, comment étaient ses enseignements. نقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه وهو الغفور الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين